Moi, René Pijard, j'étais au front en 1915. J'ai vu des atrocités sans nom, des membres déchiquetés qui volaient dans tous les sens, des cris de douleur et des sifflements d'obus qui s'arrêtaient jamais. Au front, nous avions très peu d'eau et de nourriture. Nous étions 10 à partager un quart d'eau. On était comme des fauves affamés. L'eau était croupie, vaseuse et sale, mais nous la buvions quand même. On n'avait pas le choix.